amis, j'espère que vous allez bien. La rentrée, ça va commencer. Vous allez tous reprendre le travail. Les vacances se terminent. Quant à moi, ça se termine pas parce que, comme vous savez, je suis en retrait dans la fonction publique. Donc, je me consacre complètement au sport et au coaching. Donc, pour moi, c'est toujours les vacances. Je crois que j'ai bien mérité ça. Et je voulais vous dire aujourd'hui, nous allons faire une vidéo donc de coaching avec Mickaël et Valérie. Nous allons faire aussi nous allons vous montrer des exemples d'entraînement de dorsaux, épaules et biceps que j'ai fait. Et toujours à la fin, une recette de Pascal Top Chef. Aujourd'hui, ça sera avec de la farine de coco. Ça change de la farine d'amande. Donc, toutes les semaines, vous aurez une nouvelle vidéo de coaching, d'entraînement, de recettes. Et puis, très très bientôt, nous allons à la Ciotat filmer dans le sud. Donc, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner et de vous dire les vidéos que vous souhaitez voir. Au plaisir! Shut up and sit down.
prépare une autre recette. Alors aujourd'hui, ça va être un mug cake à la farine de coco. Vu que la semaine dernière, j'en ai fait un à la farine d'amande et je ne me suis pas rendu compte qu'il y a des gens qui sont allergiques aux noix. Donc on va en faire un à la noix de coco avec un riz de brocoli au parmesan. Je vais vous montrer tout ça. So today I'm going to make a mug bread of with almond with coconut flour. Last week I made one with almond flour, but some people told me that they were allergic to nuts, so we replaced the almond by coconut flour. And also I'm gonna make a rice of broccoli with parmesan cheese. Alors, pour tout ça, pour faire le mug pain, j'ai besoin de la farine de coco, de l'huile d'olive, de la crème entière, de la poudre à lever et un œuf. So I need one egg, baking powder, heavy cream, olive oil and coconut flour.
Ah, c'est bon.